Hello, bienvenue. Yes. 23e, un 21. Ça ne fait pas encore. Par contre, nos amis français, je vous souhaite, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous souhaite un bon Kaamelott, hein, sorti en France aujourd'hui. Ah, ben oui. Nos amis ne m'entendaient pas. Ah, donc, bonjour. Bienvenue à Saméraf Converse, en cet 23e épisode. Bienvenue. Est-ce qu'il m'entendait, moi? Oui, il t'entendait, toi. Il y avait juste moi qui... Qu'est-ce que c'est, Saméraf? Un live à tous les mercredis à 19h sur YouTube. On parle d'actualité techno, science, souvent on va extrapoler certaines situations, certains sujets. Ça nous est arrivé devant le passé de faire un sketch, donc peut-être que ça va se reproduire. D'avoir un invité ou un sketch. Un invité. Le but étant d'avoir un invité, là, essentiellement, ouais. Pour vrai, mais on n'en a pas, ça fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comme tu disais. On fait ce qu'on peut, effectivement. Oui, oui. Puis, n'hésitez pas hein, à laisser un commentaire si vous voulez vous joindre à nous pour un live. Oui. Ça pourrait être plaisant. Laissez un commentaire ou nous écrire dans le chat ou whatever. Peu importe qui, là. Tu sais, Jean-Paul qui nous regarde, là, ça peut être toi, là. Ben oui, Jean-Paul. Mais surtout Jean-Paul, là. Laisse-nous un commentaire, Jean-Paul. S'il vous plaît, Jean-Paul. abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir une notification quand on devient live. Laissez un commentaire, mettez un pouce en haut, un pouce en bas si vous n'aimez pas ça. Qu'on ait du feedback. Peu importe c'est quoi, du feedback. On veut juste du feedback. C'est bon. Bonne journée. Bye. Bye. Merci. Terminé. Comment ça va, Raph? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien, ça va très bien. Nous sommes déjà à la moitié de l'été, presque. Ça passe très vite. Ça passe vite, ouais. Beau temps, mauvais temps, on est là. On est là, toujours. Ouais, sauf quand on est en vacances. Pas de nouveau prendre des vacances, là, tout le monde. Prenez des vacances, quand même, tu sais. Faites attention aussi, là. C'est l'heure et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre, tout à fait. Alors, on pourrait rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais parler de GitHub Copilot. Oui. Qui est une AI qui fait des snippets de code, de ce que j'ai compris. Il fait de l'autocomplétion intelligente. Mm-hmm. Je sais pas quand c'est sorti, depuis quand, moi j'ai appris ça cette semaine. Ça fait, je pense que c'est la semaine passée, si je me souviens bien.
La semaine passée, ça a été annoncé, ça a été release officiellement. C'est une collaboration entre GitHub et OpenAI. Parce que OpenAI faisait quelque chose qui s'appelle GPT. GPT, c'est un espèce de grand modèle basé sur les transformeurs. C'est un style de machine learning qui se trouve à bien fonctionner pour la génération et la compréhension de textes naturels. On avait la version 3 de GPT qui a été le papier scientifique a été publié, mais le modèle lui-même qu'ils ont entraîné, lui, était privé, puis ils ont réussi à comme vendre l'accès à. Tu peux demander un accès bêta, puis éventuellement. C'est GPT-3, en fait, que je t'en ai parlé, parce que GPT-2, il a été released. Mais GPT-3, ils ne l'ont jamais released. Fait que là, il faut que tu fasses une demande auprès de OpenAI pour l'avoir. Il était déjà fonctionnel. Ça fonctionnait déjà pour régénérer du code. Donc, tu avais déjà la fonctionnalité de genre utiliser GPT puis écrire, mettons, un tag PHP en haut, puis il va juste comme, créer un du code PHP, mais il n'est pas fait pour ça. Genre, il fait ça parce que sûrement que dans son contenu, à des places en partie, il y avait du code dans lequel il a traîné. Puis là, ben, je suppose qu'il y a du monde là-bas. Ben, au départ, c'était un Slack, dans le fond, là. C'est quand tu te faisais inviter là-dedans, tu avais un Slack OpenAI où tu faisais affaire avec le monde qui travaillait sur le projet directement. Et du monde pour faire des projets, des associations comme ça. Il y a sûrement quelqu'un de GitHub qui s'est branché sur le Slack, qui a écrit aux gens de OpenAI, puis en fait, là, vous pouvez générer du code. Puis là, nous autres, on a tout le code. Ça On fait a tout le qu'on fait quelque code, oui, chose. c'est ça. On a tout le code, ben, tout le code. Attends. Il y a une très grosse partie du code qui est public sur Internet, c'est eux autres qui l'ont, à part des projets qui ont leur propre Git hosté ailleurs. Ouais, sinon il y a Ultra serveur GitLab. de Git. Ou des Ouais, compétiteurs comme mais il y a GitLab. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont un repo privé là, sur GitHub. Mais ils ont quand Oui. même GitHub eux-mêmes, ils ont quand même accès à ça là s'ils veulent là. Ils ont accès à ça, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils s'en sont servis. Puis il y a un gros enjeu. Là, je parle des enjeux plus tard, en fait. Là, je vais continuer sur l'espèce de préface. C'est quoi Copilot? Personnellement, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas essayé. J'ai vu du monde sur mon Facebook. J'ai du monde qui sont technocrates au bout. Là, ça fait qu'il y a d'autres qui se sont mis main là-dedans. J'ai regardé des vidéos. Puis personnellement, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, des utilisations que j'en ai vues, j'ai trouvé ça intéressant. Toi, qu'est-ce que t'en sais, en fait? Je vais arrêter de monologuer. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que Je t'en sais sais? Qu'est-ce que t'en penses? que je savais pas que c'était GPT-3 par contre là. Mais c'est pas GPT-3, c'est Mais ça. que C'est. c'est que c'était OpenAI en arrière Ouais. ça je savais pas par contre je sais que ça a été entraîné sur à peu près tout ce qu'il y a de code public sur GitHub c'est ce qui est il y a des gros projets là, qui sont publics sur GitHub là. Ensuite, ben, je sais que justement, c'est capable de faire de l'autocomplétion assez complète, là, quand même. Et puis, je regardais, en fait, là où j'ai été au courant de ça, il y a des gens qui exposaient le fait que ça pourrait potentiellement plagier du code, si on veut. Oui, ça c'est l'enjeu dans lequel je voulais arriver plus Ça pourrait tard. potentiellement faire ça. Puis, d'autres personnes dans un autre stream que j'ai vu mentionnaient que ça pourrait être très pratique pour les élèves. Oui. Juste les élèves qui sont en informatique, là, qui veulent coder, là, devenir programmeur, faire des devoirs, ça pourrait être très pratique pour eux autres. Là, comme, Absolument, c'est ah, clair. c'est vrai, vu comme ça, c'est sûr que, hein, Ça enlève sinon, une grosse couche. hein? Mais, je dis, ça enlève une grosse couche de travail mental à faire. D'autres extrapolent puis se demandent quand est-ce que les programmeurs seront plus relevant là, dans la vie. Parce que là, on donne littéralement à la machine le pouvoir de s'auto
S'auto-améliorer? Ben, pas vraiment. Ben, quasiment. Mais en fait, machine learning, c'est un petit peu ça que ça fait. Oui, mais là, elle va pouvoir comme créer du code, là, la machine, là, si elle voulait. Ben, si elle voulait, en tout cas, si elle était faite pour, elle pourrait créer du code, là. Elle complète la roue, là. Quand même. Ouais. Là, ça revient à ce que moi, j'en ai remarqué quand j'ai vu les vidéos. Premièrement, malheureusement, si ça n'a pas un input, ça ne peut pas générer du code. Ça ne peut pas juste comme arriver avec une idée de code à écrire. Fait que ça, en partant, comme tu dis, ça complète la roue, mais il faut que tu aies le but. Donc, il faut que tu aies des bouts de code que tu veux déjà comme compléter pour pouvoir le compléter. C'est le bootstrapping, dans le fond. Fait que c'est comme d'arriver avec la première nugget de code qu'il faut que tu écrives. Ça, c'est l'ultime problème si tu veux comme faire ce que toi, tu suggères. Là, en ce moment, c'est pas. Pas en ligne là-dessus. Mais une fois que tu as un bout de code décrit par quelqu'un, là, tu peux commencer à l'extrapoler au maximum. Mais t'as-tu vraiment besoin d'un bout de code? T'sais, moi, je voyais que les gens, ils font juste mettre un commentaire en haut du fichier, puis genre. Ben, non, mais il faut quelque chose, dans le fond. OK. Il faut du texte pour générer plus de texte. Puis ce que ça fait, c'est que ça va juste comme itérer avec. C'est un peu le concept des Transformers, en fait, là, c'est que. C'est que ça roule dans les deux sens, dans le fond. C'est que ça va prendre ton texte du début à la fin, après ça, de la fin au début. Puis ça va comme. Ça va toujours se refider sur le contenu que tu vas y passer. Puis il va refider, il va générer un caractère ou un mot. En fait, c'est des tokens, là, mais ça peut être un mot, un caractère ou un groupe de caractères, un groupe de mots. Puis il va tout le temps refiler, fait qu'il va tout le temps comme ça en rajouter. Fait qu'il te faut un start, puis après ça, tu le starts. Comme tu dis, ça peut être un commentaire qui explique ce que ça fait, parce que si c'est fait comme GPT-3, il est totalement capable de comprendre. On s'entend un commentaire en anglais sûrement. Même Ouais, s'il doit mais. comprendre un peu le français d'un bord, là, parce qu'il y a sûrement du contenu français ou espagnol ou autre langue, mais peut-être plus chinois dans ce cas-ci, peut-être pas. Mais bon, Parce que l'anglais va ouais. fonctionner, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il l'optimise pour l'anglais en ce moment. Ça fait que là, oui, il faut quelque chose. Là, je disais du code tantôt, mais là, il faut quelque chose pour starter. Ça va avec le comment que les transformeurs marchent à base. Ah, ben tu vois. Un petit commentaire. Ils ont quand même déjà écrit un bout, là. Ben, faut quand même qu'il soit capable d'indiquer à l'ordi ce que tu veux, là, parce que juste le commentaire, ça ne peut pas dire que tu veux une fonction async en JS, là, ou en TypeScript dans ce cas-ci. C'est malade. C'est malade, là. T'sais, si ça marche bien. Ouais, c'est malade. Là, encore une fois, là, je veux continuer les lacunes que j'ai remarquées, là, ou les limitations que moi je vois. Bon, c'est souvent des affaires super simples. À date que j'ai eue, qui n'est pas capable de générer une classe complète. C'est plus des fonctions de comme max 10 lignes. Puis souvent, c'est des templates de fonctions qu'ils vont te mettre. Là, c'est pas pire, il a mis un URL, je ne sais pas où il vient, en HTTP, mais c'est quoi cette URL-là? Genre, ça vient d'où? C'est quoi ça? Fait que, c'est beaucoup du templating. Puis là, c'est là ce que je vois que ça pourrait shiner le plus, c'est que ce qui est gossant dans la vie, c'est de. Admettons que tu travailles dans un projet corpo, c'est de te maintenir des templates carrément, un peu comme toi, tu en as déjà fait du Laravel, parce que tu fais une commande artisan pour faire une entité, là, tu sais, ou générer des classes. Mais ça pourrait être vraiment aidant. Là. Tu sais, tu fais genre, je veux une classe qu'il va avoir telle fonction dedans, puis qui fait ça. Cloup. Pas besoin de copier-coller ailleurs, puis là, tu oublies un namespace en haut qui change, puis là, tu casses. Normalement, il devrait le faire tout seul. Ça, c'est cool. De là à faire du code qui a de l'allure puis qui se tient puis tout, tu sais, je veux dire, je n'ai vu du monde coder dans la vie, là. Faut que ça tienne le style de code que le monde utilise à ta job, faut que ça tienne toutes les le linting que tu utilises dans ton travail. Après ça, faut que ça utilise le naming convention de toutes tes variables, ça utilise, c'est comme. Je trouve que ça manque un petit peu. Tu sais, c'est beau, là, c'est shiny, puis ça fait des belles affaires, puis c'est première version d'eux, puis tout, là, je suis content là, que ça avance, puis tout, mais
C'est comme la première version du iPad. J'ai hâte à la deuxième, là, parce que la première version du iPad était grosse, était lente, puis c'était une preuve de concept. C'était un MVP essentiellement. C'était un minimum viable product là, qui était capable de vendre puis que le monde trouvait ça nice. Là, c'est de savoir Ça aussi c'est peut quoi leur. aider, là. Ouais. Ben, comme tu dis, peut-être des étudiants, mais en même temps, pour être allé à l'école en programmation, c'est une école un minimum, tu sais, que t'as des profs qui savent ce qu'ils font, ben, les problèmes qu'ils vont te donner sont sûrement pas réglables, là, juste par un commentaire en haut. Tu sais, moi, c'était des problèmes genre, fais une simulation des tours de Hanoi, l'espèce de jeu de, parce que t'as des pôles avec des plaquettes que tu mets sur les pôles, puis il faut tout le temps que les plaquettes soient du plus large au plus petit en haut, puis après ça, pour que tu écrives une fonction qui va genre régler le jeu, et carrément passer le jeu là, avec de façon récursive. Là, je serais curieux de voir genre qu'est-ce que ça fait si j'y écris, genre fait règle le jeu de Hanoi. Tu sais, c'est comme c'est plus compliqué que je suis pas mal sûr que c'est plus compliqué que les 8 lignes qui est capable de générer vite de même, mais tu sais, je dis pas que c'est mauvais, puis ce qui est bon, c'est surtout ça l'on voit là. L'espèce d'autocomplétion, un peu plus comme à la Excel, dans le fond. Là. Parce que ça ne règle pas le problème, mais tu sais, Excel, admettons que tu écris 4 chiffres, puis tu tiens, tu fais comme l'autocomplétion, là, tu sélectionnes tes 4 chiffres, puis tu le descends plus bas, puis il va te générer comme le reste de ta suite. Ça, c'est cool, parce que là, il est capable de, tu sais, c'est du jus de bras que tu n'as pas besoin de faire. Là. Tu le sais qu'il y a une suite logique, puis c'est clair pour n'importe quel humain, mais là, l'ordi serait peut-être capable de faire, tu sais, comme là. Name, address, city zip, tu sais, c'est toutes des affaires que tu répètes tout le temps, toutes les fois que tu fais un truc d'adresse. Juste parce que ta classe, ça s'appelle comme ça. Dans le Ouais. fond. B. Ouais, puis là, il s'est sûrement basé sur genre tous les autres projets Ruby avec des classes semblables. Puis, ouais, ça, tu vois, là, nice use case, ça, j'adore parce que ça remplace personne dans la vie, puis ça aide tout le monde qui voulait écrire une classe, puis on s'entend, c'est sûrement pas le produit que tu vas pousser en prod à la fin, tu sais, c'est pas ça que tu vas mettre, là. Tu vas leur gosser, tu sais, faire ta query direct en texte clair de même, pas sans query builder, tout ça, quand tu travailles dans quelque chose, comme ça arrivera pas, là. À moins que tu fasses un petit projet personnel, là, je comprends, mais ça manque de réalisme un peu, Oh, là. oui, clairement, mais là, tu sais, on est en go, il n'y a peut-être juste pas d'ORM d'installer ou de, tu sais, là. Ça. Peut-être qu'il va le Puis prendre en en haut, compte, là. Moi, je il trouverais y ça en a quand même direct dedans. nice, là, si je veux prendre ça en compte. Ouais, ben j'ai hâte d'essayer. Là, on s'entend, je parle comme un gars qui s'en est pas servi, je l'ai vu d'extérieur. J'ai vu ce que GPT-3 est capable de faire. C'est astounding, c'est vraiment malade. Au niveau du code, j'ai toujours été un peu déçu, là, parce que c'est comme. Je vois personnellement pas le vrai use case. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, je crois que c'est gratuit. Là. Je Tu sais, c'est l'imagine, comme c'est du un sign-up, là. sign-in. Ouais, faut que tu. Ouais, c'est technical preview, c'est une waitlist. OK, mais ils te font pas payer. C'est ça, je vois pas comme. En ce moment, je vois pas encore ça comme un produit payant, parce que je vois pas ce que ça donne comme quelque chose que je paierais pour. Je trouve ça flashy, mais je Ouais. trouve que ça n'a pas encore de. Ça, c'est cool. Là. Tu sais, les markers, là, puis là, qui te sortent plein de patentes là, dans plein de formats. Là. Même s'il est allé dans le CSS HTML, bizarrement. Mais au moins, tu sais, il a compris, tu sais, le contexte, il a compris la structure de ce que tu voulais sortir, puis il l'a juste comme continué. Ça, je trouve ça pété parce que ça veut dire qu'il comprend sémantiquement ce que tu veux faire. Ça, c'est cool. Pour la répétition, là, je pense que les humains ont. Je nous souhaite en tout cas d'évoluer, passer la répétition dans la vie. Là. Ouais, ok. Ouais, ok. C'est autofill for repetitive code. Tests without the toil. What is Ça this? génère des tests automatiquement. C'est Ok. baisser le. Sans le. Sans te faire chier, non?
Mais en même temps, moi, je suis un petit peu frileux par rapport à ça parce que faut faire attention. Les tests, c'est super important. Puis c'est pas tester des tests. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Faut que tu sois très, très, très au courant de ce que tu écris. Puis qu'il y ait une bonne raison sur toutes tes assertions. Puis qu'est-ce que tu fais avec tes trucs. Puis que là, à quel point il est capable de, genre, à part les super plus simples fonctions, là, tu sais, comme moi, des fois, j'ai des tests unitaires qui testent des affaires super complexes, là, avec des cas vraiment spécifiques, puis des gros payloads, puis tu sais, je vois pas comment ça peut m'aider. Ça aurait été cool d'avoir un démo, tu sais, comme un online là, que tu peux juste écrire dedans puis voir ce qui te sort. Là. Ben, tu vois, ça m'amène à un autre point. Quand je t'expliquais que GPT-3 était privé, il y a une compagnie, ouais, compagnie, je sais pas trop comment on peut appeler ça, un collectif de monde un peu comme toi puis moi qui se sont mis ensemble sur Discord puis qui ont fait Eleuther AI, Eleuther AI. Ils ont pris le papier scientifique de GPT-3 puis ils l'ont réimplémenté puis ils ont fait un modèle open source. C'est que le modèle qui est rendu, ben, c'est pas exactement encore le gros modèle qui est barré chez OpenAI, mais ils s'en viennent, ils sont en train de travailler dessus. Ils en ont fait un plus petit qui est utilisable maintenant. C'est écrit GPTJ sur Google, tu vas le trouver. Puis moi, Nouveau, c'est Bing. c'est mon gros dada. Ah, ouais, sur Bing. Ben là, t'as des op ouais. T'as des articles qui parlent de ça, fait que peut-être que t'aurais un lien sur les articles. Pas le premier, c'est sûr, c'est un package. Y a-tu le lien? GitHub Copilot, on en parle aussi. Bon, GPTJ, oui. Y a-tu un lien quelque part, s'il vous plaît? Il montre le site, puis il montre pas le lien. Ah, voilà. Là, c'était aussi simple que genre t'écris un bout de, tu sais, du texte. C'est ce qui est nécessaire pour utiliser GPTJ. T'écris du texte, puis il va te Comme générer quelque chose. N'importe quoi. Là, c'est pas quelque chose par rapport au code nécessairement. C'est principalement en anglais, encore une fois. Si t'as pas d'idée, il y a le prompt list en haut à droite si tu veux avoir des idées. ouais. Écris run the model, puis tu vas voir, il va générer de quoi avec ça. Ça prend une couple de secondes. C'est sur Eleuther AI que je suis depuis quasiment une semaine là, maintenant. Là. Puis je suis sur leur dans Discord, puis je fais le tour. Puis moi, je vous conseille d'aller les voir. C'est une belle gang. J'ai jasé avec plein de monde qui travaille là-dessus, puis c'est capoté. Là. Le monde est vraiment brillant. Là. Ça vient d'un AI, là. C'était pas quelque chose qui a été pris ailleurs. C'est du texte qui vient d'être généré, là. Pour toi, il n'y en a pas deux comme ça. Puis c'est. Ok, là, c'est pas un résumé d'un article Non. quelconque, là. Non, si tu refais Run the Model, tu vas voir, ça va te sortir complètement d'autre chose. Avec exactement la même forme. Il invente ça, là, out of the blue, là, comme ça, là. Il Mais. juste. Pareil que pareil, sûrement de façon semblable avec Copilot. Basé sur ce qu'il a déjà vu, puis ce qu'il sait avec le contexte de la phrase, il sort du texte. C'est pas nouveau, là. Parce que comme je te dis, il y a GPT-2 qui fait déjà exactement ça, qui date de il y a quelques années déjà. C'est pas nouveau, c'est juste ce qui est nouveau, c'est que là c'est plus juste OpenAI qui s'en occupe. Il y a Eleuther AI avec une gang de vraiment brillantes personnes qui le font. Je ne sais pas si tu te souviens de Dungeon, AI Dungeon. Okay, parce que c'était basé aussi sur GPT. C'était une espèce de text-based comme ça, mais là, tu pouvais t'interagissais avec le robot, puis t'écrivais des trucs genre je suis Ah un oui, voleur c'est pas le jeu là. ouais Ah oui, je me rappelle de ça.
Ben, c'est basé sur ça, en fait. Mais pas Mais il sur y avait beaucoup GPT-J, de parce que répétitions. GPT-J. Il virait dans son des fois, là, lui, là. Ouais, GPT-2, c'était pas le best, mais il, je veux dire, c'était le best qu'il y avait sur la planète Terre, quand même. Mais c'était pas le best, dans le fond, par rapport à l'idée qu'on avait du problème. Mais GPT-3, ça a juste aucun sens comment c'est hot, là. C'est juste next level. Ça fait que Copilot, ben, j'ai hâte de voir, tu sais, le. On se Ça, retourne au peut être principe premier. pratique, là. Si t'as besoin de, je sais pas, moi, de... Ouais, écoute, le besoin de ça doit se faire rarement, mais mettons que tu as besoin d'écrire la même fonction ou faire le même truc, mais dans un autre langage que tu connais pas pantoute. Sûrement Ouais. Je t'aider. pense qu'il y a deux côtés à cette pièce-là, là, dans le sens où tu as le côté où, genre. Moi, personnellement, ce que je ferais, comme tu dis, c'est admettons que j'aurais une idée d'une fonction que j'ai en tête, puis je veux faire dans un autre langage, puisque je ne connais pas ça. Tu écris le commentaire, tu fais generate, puis là, tu regardes comment il se fait, puis comment se fait qu'il utilise ça comme ça, puis et tu connais aussi Copilot, fait que tu te dis, ah, peut-être qu'il utilise des affaires qui n'ont pas de bon sens, ou tu sais. Mais il y a l'autre envers qui est genre le monde qui vont utiliser ça pour. Skipper apprendre le langage complètement. C'est genre, ah, mais j'ai pas besoin de m'en occuper. Fait que je fais juste Ouais. comme générer et puis. Ben, tu vois, moi, je trouve ça pratique parce que justement, tu sais, je pourrais générer deux, trois fonctions pendant que je suis en train de faire un projet dans une X langage que je connais pas, puis apprendre de ça, puis là, tu sais, ça fast-track pas mal parce que tu as comme des exemples fonctionnels de ce que tu veux faire, là, tu sais, t'es pas obligé d'aller sur Stack Overflow ou ben, essayer de comprendre quelque chose, tu sais, là, en tout cas, moi, j'ai pas patience pour ça, là. J'ai vraiment pas patience pour ça, là, faut que j'apprenne, c'est ça. Je trouverais ça probablement très pratique. Là, j'extrapole le niveau. Est-ce qu'on s'approche d'une programmation qui change un peu de nature ou on aurait juste besoin de parler à l'ordi en texte clair assez directement, puis éventuellement, ça va être capable de réutiliser les fonctions que tu as faites avant? Fait que tu n'aurais plus tant besoin d'aller dans le low level puis écrire justement des await fetch puis des authorization bearer, puis tu aurais juste besoin d'écrire genre authentiquer-toi sur tel lien, le lien de Twitter, l'API, le statut, user timeline, puis genre retourne-moi le résultat. Clac. Puis là, tu parles juste en human, tu sais, en humain. Tu as Naturel. des programmeurs qui sont comme encore un level au-dessus. C'est qu'en plus d'être avec un langage qui est high level comme le JS, parce qu'il en dessous, il est basé sur du C++, qui est basé sur le C, qui est basé sur le langage machine, t'es déjà super haut, ben là, t'as quelque chose d'encore plus haut. Genre le langage humain qui est là juste pour comme il écrit ton JS là, pour toi, puis après ça, il est capable de. Là, je suis pas mal sûr qu'ils ne seront pas capables aujourd'hui, mais tu sais, Manic vient capable de connaître ton code, puis genre Mais sais-tu prendre où des ça bouts. peut être pratique, ça, là, ce genre de pas comme c'est là présentement, mais tu sais, si c'était intégré dans un modèle un peu différent, je pense à tout ce qui s'appelle SAP, Power BI de Microsoft, toutes des espèces d'applications dans lesquelles tu peux connecter des données ou des sources de données dedans, puis après ça, travailler avec, tu sais, faire des tableaux croisés dynamiques, des statistiques, des dashboards avec ça. C'est jamais rien de bien compliqué, c'est juste, ben, souvent, tu sais, tu as besoin de te coder justement une fonction pour prendre les trucs de telle place, puis faire un petit calcul. Puis je me dis que si justement, haut level comme ça, en texte clair, ça existait, probablement qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui seraient aptes à juste comme travailler avec des données là, relativement facilement. Ben, je m'avance rapidement un peu sur ce sujet, mais GPT-3, je suis pas mal sûr que tu peux demander des queries SQL, puis il est capable de te générer. Genre, donne-moi une query SQL qui va me sélectionner, genre, le nom, le prénom, puis l'âge de tous mes users. Puis, genre, il va te la sortir. Fait que ça existe déjà. Je veux dire, ben, ça existe déjà. Je veux dire, il est déjà capable de prendre un prompt et de générer du texte avec. Puis, c'est tellement versatile que tu peux essentiellement faire la même affaire, GPT image, dans le fond. C'est ce que tu prends une partie d'une image, puis il est capable de te générer le reste de l'image qu'il ne voit pas. Parce que tu peux juste encoder, genre, l'image comme essentiellement des tokens, puis genre, juste générer d'autres tokens par-dessus. Après ça, il y a
une autre application. Il y a du summarizing aussi, là, que tu peux faire avec GPT. Là. Ça fait qu'arriver puis prendre un texte puis demander un summary, c'est un peu comme tu demandais tantôt, mais ça existe, ça il l'a aussi. Là. Fait que tu prends un papier gros texte puis il est capable de te l'expliquer en vraiment moins gros. Puis des fois, tu peux même y dire explique-les pour genre un jeune de 3 ans ou explique-les pour un étudiant du MIT. Puis là, il est capable de le synthétiser d'une autre façon. Pas juste comme tu sais, générer une suite. Il peut synthétiser l'information. Ça, Vulgariser c'est capoté. l'information correctement. Ouais. Là, ben, je vois qu'il est capable de faire une fonction qui va dessiner. Un scatter plot, hein. Je ne sais pas d'où il sort ces trucs, mais tu sais, ça peut te permettre de voir un peu l'API de ce que tu utilises. Là, parce que, tu sais, mettons, moi, je pourrais arriver puis je ne sais pas comment faire CX, D, tu sais, que ça passe une fonction, ça sort le X de D. Je suis comme, ah, OK, tu peux faire ça de même. Le genre d'affaires qu'il a fallu que je Google, puis là, comment je fais pour afficher le centre du X de tel truc, puis patente, là, tu gosses, puis c'est pas exactement le bon terme que tu recherches. Maintenant, tu tombes dans Doc, puis là, tu vois qu'il y a CX, puis là, il faut que tu passes une fonction, puis là, il faut que tu sois ah, okay. Genre, tout ce que je viens de vous dire là se résume en genre, tu fais ton truc dans Copilot, tu fais tab, puis genre, pouf, puis t'as le pop là, puis là, tu check, tu fais comme, ah, OK, c'est exactement ce que je veux. C'est une impression, c'est en termes de rapidité. À quand, parce que là, c'est basé sur du code déjà écrit, mais à quand un AI qui va tout simplement juste lire la doc? Tu Ouais, l'entraînes sur la lire puis doc. comprendre la note. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Fait comme, ah, ok. Mais encore là, tu sais, là, ouais. C'est une machine qui relie du langage humain. Il faut que ça soit bien interprété, il faut que ça soit bien sorti à l'autre bout, là, quand tu le demandes. En tout cas, Ouais. parce que là, Un tu sais, autre. d'entraîner l'AI sur du code écrit par des humains déjà, ça défait complètement le but, ben, théoriquement ultime, de juste avoir à coder avec du texte en clair. Parce que s'il y a de moins en moins de personnes qui codent en vrai, il y a de moins en moins de modèles de données sur lesquelles s'entraîner. Ouais, ben parce que là, oui, tu pollues ton code base avec du code qui a été écrit par un copilot. Fait que là, ça, tu sais, je me demande, est-ce que GitHub, parce que là, il entraîne le modèle sur du code public, mais ça va probablement se ramasser dans du code public. C'est ça, c'est clair. Mais ça, c'est le age-old problem. Là. Je pense que même, admettons, mon travail aussi, ce qu'on fait de la prédiction sur les résultats scolaires des étudiants ou l'abandon des étudiants. Supposant que ton intervenant, il voit que tu vas pour abandonner, il met les actions en place pour t'aider, puis qu'il t'aide à pas abandonner, tu sais, il vient teinter les données de travail, tu sais, de ton AI, parce que faut que tu saches qu'il y a eu une rétroaction sur ces données-là. Ben, c'est ça. Moi, je me demande, est-ce que Mais ça, faudrait qu'il c'est le laisse vieux une problème, trace, ça, là? c'est. Ben, peut-être, là, tu sais, ouais, mais on peut se fier tant là-dessus, tu sais, c'est comme, ça s'intègre dans ton IDE direct, là, ou dans ton éditeur de texte, fait que tu peux pas vraiment savoir, en fait. Non, non, non. Non, je sais bien, mais tu sais, c'est GitHub, il devrait au moins prévoir ça, là. Je sais pas. Peut-être, ben, ou Tu sais, peut-être pas, quitte tu à ce sais, que c'est. ce soit du texte, là, un commentaire en haut, un tag quelconque que tu mets dans le code, puis OK, il est là. Si tu veux, tu l'enlèves. Si tu veux, tu le laisses là. Mais tu sais, au moins qu'il le fasse, qu'il t'en mette un, puis que GitHub, après ça, qu'ils sont capables de parser ça là, quand ils entraînent le modèle ou autre. Là. Pour pas justement reprendre de la junk, puis remettre de la junk dans le truc, là. Ouais. Ou à la limite, c'est rien que vu que c'est dans GitHub, on est rendu dans un territoire qui ne nous regarde pas tant, là, mais je veux dire, il pourrait juste faire est-ce que tu utilises Copilot avec ce projet-là? C'est un peu comme quand tu coches private ou public, là, tu dis Ouais. oh, ouais, j'ai utilisé Copilot, là. Ouais, mais en même temps, comme tu as dit tantôt, ça va être rare que tu vas pouvoir faire un projet au complet en utilisant Copilot. Fait que ça va Oh, oui, c'est probablement ça. manquer une belle opportunité d'avoir du code écrit. Tu sais, c'est ça. Mais là, tu veux du temps dans ton code base de job, genre, même si ta job c'est du open source, avoir du gros, genre, gros tag
This code was generated by Copilot, puis end Ben. code generated Copilot. Ou bien c'est un métafile à côté qui genre pointe vers l'autre fichier, puis dit Ouais. comme de cette ligne-là, ça vient de Copilot. Ça pourrait être dans les métadonnées de Git, mettons, là, ou je sais pas comment, dans les Ah, trucs, tu sais, ouais. là. Ça pourrait peut-être. Mais je sais pas, tu sais, là, on se dit, ah oh, non, je veux pas que ça sache. Mais regarde bien dans, je sais pas moi, dans 5 ans. Parce que là, ça va juste être comme. Ben, ça va être normal. C'est Ben, ça va correct. être normal. C'est ça un peu que je voulais m'en venir avec le à quand la prochaine génération de programmeurs qui programmera plus tant, dans le fond. Là. Parce que si t'as un bon AI, puis là, on extrapole, on n'est pas rendu là encore, mais. Puis tu sais, tu dis 5 ans, puis je trouve que c'est un horizon qui est quand même respectable. C'est à quand le programmeur qui a plus tant besoin d'apprendre à programmer, là, parce qu'il a juste besoin d'être capable de splitter la tâche, puis juste feeder, tu sais, ce que je te disais, le bootstrap au début, là. Ouais. Juste feeder le bon bootstrap à son AI, puis il faut juste faire tap tout le temps, tu sais. Fait que, OK, il peut pas l'ordi, genre, faire toute la job, fait que tu fais pas faire toute la job, mais tu découpes le bout qu'il est pas capable de faire, puis il s'occupe de faire le reste du bout qu'il est capable de faire. C'est ça. Ça peut... Et genre, je pense pas qu'on remplace le monde qui font du low level, parce qu'il va nous en falloir, quand on invente des M1 chips, tu pourras pas juste prendre l'ensemble du knowledge existant puis juste l'appliquer là-dessus parce que je veux dire ça existe pas fait que tu peux pas genre programmer une chip M1 avec du code qui existe déjà parce que ça n'existe pas encore. C'est un peu ça qui est le problème. Ouais, mais... Tu sais, on s'entend, M1, c'est quand même basé sur une architecture qui existe déjà. C'est pas du nouveau, nouveau, nouveau. C'est quand même ARM, là. Et je me Ouais, dis... il y a combien de codes ARM sur GitHub public, là? Je suis pas Non, sûr qu'il y en a tant que ouais, ça, là. non, ben peut-être pas Copilot en lui-même, mais c'est sûrement faisable, tu sais, de remplacer jusqu'à ce niveau-là, là. Mais en D'avoir tout un cas, bon, AI je qui est pense fait pour qu'on designer du tient quand même, là. silicone, là. Mais ouais. Du low level, genre, Oui. il va nous falloir du monde qui en fait pareil, parce que si c'est pas M1, là, je prenais M1, tu as raison, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais n'importe quelle autre nouvelle petite chip qui vient d'être inventée, je veux dire, t'as rien pour ça, là, puis ils n'ont pas nécessairement un langage qui est utilisé partout, fait il te faut du monde qui invente, parce que, tu sais, faut pas oublier que l'AI, tout ce qu'il va faire, c'est prendre le knowledge existant, la seconde que tu sors de ce realm-là, cette réalité-là, ben, tu veux dire, tu peux utiliser, Ouais, ou bien mais tant que tu restes dedans, t'entraînes un AI qui fait juste le brute forcé pour l'apprendre. ouais, c'est vraiment pas la même science, par contre. Non, c'est pas la même science, mais Parce tu que sais, t'as une je. science qui est de la donnée, tu fais juste copier ce que l'humain fait, essentiellement, là, de la Ouais. meilleure façon possible. Puis t'en as un autre que c'est d'inventer. Puis d'inventer, on est loin. Il y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'AI qui sont capables d'inventer. Genre, Mais j'ai c'est ça, rarement pourquoi pas, slash tu sais, jamais vu dans ça. 5 ans, là, imagine, là, dans 5 ans, là. Tu sais, ça avance vite, là, puis plus ça avance, plus ça va aller vite, là. Je Mais pense pas que ça va se les faire, ça, dans techniques 5 qu'on ans, a là. pour faire ça, je verrais comme de. Voyons. Qu'est-ce que je verrais pour ça? Ce serait de la génétique computing, peut-être, cette espèce de génération, cette façon d'évoluer quelque chose qui va te donner une réponse que tu n'aurais jamais pensé en tant qu'humain ni en tant que machine, mais en lui donnant un goal qui est, lui, contrôlable et mesurable. Fait que, tu sais, si tu veux justement que l'ordi invente quelque chose, ben tu mets comme dans une boule, puis tu dis comme, essaie de faire telle forme dans la boule, puis là, si tu es capable de faire telle forme dans la boule ou de spinner 8 fois sur lui-même, c'est ça ton critère, ben genre, tu lui donnes un score toutes les fois qu'il spinne, fait que là, ben à un moment donné, il spinne 8 fois, puis tu es content, puis il a trouvé une façon efficace de le faire. Mais tu sais pas comment, tu sais comment faire pour spinner 8 fois dans une boule, ben, il va être bon. Mais ça, c'est un process qui est lent. Je pense pas qu'il se règle avec beaucoup de données, puis je pense pas qu'il évolue tant que ça en 5 ans. Parce que ça fait longtemps que ça existe comme idée, puis genre, on n'a pas tant évolué là-dedans, puis il n'y a pas tant de monde qui s'en sert. Ça marche beaucoup dans des modes, dans des. La dernière fois que j'ai vu une évolution avec ça, une innovation avec ça, c'était
C'était malade par contre. C'était, on a évolué quelque chose, tu sais, le processus évolutif en informatique, on a évolué un organisme dans un simulateur. C'était dans une université en collaboration avec un autre chaire de recherche dans la même université de biologie. Puis on fait comme, hey, on pourrait faire ça. On pourrait prendre l'organisme que vous avez fait évoluer dans votre simulateur, puis genre le synthétiser pour vrai, genre le faire. C'est un genre de nanobot organique. Puis il marchait. Là. Genre, ils l'ont fait, puis simulateur à la vraie vie qui fonctionnait, l'organisme. Ils ont réussi à faire ça. Fait que ça, c'est malade, mais c'est un concept qu'on utilise, qu'on connaît déjà. Puis la difficulté, c'était pas tant le simulateur que de passer du simulateur au vrai, dans le fond. Fait que c'est d'avoir un bon simulateur avec des bonnes contraintes au niveau de l'ordinateur, puis une bonne rapidité de calcul. Ça fait qu'une simulation qui est assez efficace pour la Si on brute force, comme mettait, tu dis. si on avait mis autant d'efforts qu'on en a mis pour comprendre le langage humain là-dedans. Non. Non, je suis pas, Non. non. Je pense qu'il y a une grosse limite physique là, à ce que tu es capable de faire. Parce que comme je te dis, ça revient à être capable de simuler ton truc puis de te donner un bon score selon s'il va bien ou s'il va pas bien. Puis tu peux avoir N critères pour déterminer le score. C'est un critère ou N critères. Tant que tu es capable de donner un score. Puis là, il faut que tu sois capable, comme tu dis, toi, de faire apprendre à l'ordi à coder un nouveau langage. Genre, je ne sais pas comment tu critérises ça, c'est juste comme. Je sais que tu ne le sais pas, mais je ne le sais pas non plus. Je ne vois pas comment tu peux commencer, mais j'ai grande foi en l'humanité, Moi aussi. grande foi à nos cerveaux. Ben, tant mieux, je veux dire, s'ils trouvent. Ou bien, s'ils demandent à GPT puis ils nous génèrent une façon de le faire, tant mieux. Mais tu sais, encore une fois, je pense que c'est basé sur l'existing world, pas sur le nouveau world. Puis là, ben, toi, tu disais, il y a un problème où ce que tu viens comme, Ouais. je sais pas comment dire, là, mais corrompre tes données courantes, là, avec tes nouvelles données que tu génères, mais que ce n'est pas des vraies données parce qu'ils viennent ça vient d'un AI qui a utilisé des données courantes. C'est que là, tu as ce problème-là. Puis tu as l'autre problème, c'est qu'il n'est pas tant capable d'inventer. Les gens sont pas tant capables de. T'sais, il va inventer dans le realm des choses que tu as appris de connaître. Il va être capable de mélanger des concepts que toi, tu n'aurais peut-être pas pensé mélanger dans les affaires qu'il connaît. Mais il sortira pas hein, de ce qu'il connaît. T'sais, admettons, GPT, comme tu as vu tantôt, il n'est pas capable de genre inventer un mot. Je pense pas. Mais Faut qu'ils peut-être, en fait. Je pense que j'ai comprennent, déjà vu qu'il mais inventait faut un qu'ils mot. comprennent quand même un minimum le code qui est écrit là. Faut qu'ils sachent c'est quoi la relation, qu'est-ce que quoi fait là. Ben, les relations, dans le fond, ça va être représenté comme un pot. C'est comme given ce que tu me donnes en haut, ce qui a le plus de poids, c'est genre parenthèse data, height, width. Puis après ça, quand il va avoir généré, mettons, le reste de cette ligne-là, puis comme je te disais tantôt, il va reprendre tout le reste, plus ce qu'il a mis, il va le repasser dedans, puis faire c'est quoi qui a le plus de poids? Ben, c'est genre enter. Quatre espaces ou deux espaces, dépendant, const SVG égale. Puis là, il va faire. OK. On fait une passe. D3 select, scatter plot, blabla, jusqu'à ce qu'il y ait un threshold de genre, ben là, ce qui se trouve après, c'est genre, c'est fini. J'ai itéré jusqu'à ce que ça soit une fonction complète. Mais si tu le fais comme faux, ce process-là que je te dis, ben, tu as quelque chose comme ça qui sort. De là à dire qu'il y a une sémantique en arrière, je ne suis pas convaincu, là. C'est peut-être plus nous autres qui projettent ça, parce qu'on est capable de faire une sémantique, nous, mais j'ai de la misère à croire que lui est capable. C'est vraiment, genre, bien été trainé, il y a un bon loss function, puis capable de bien J'ai le. hâte d'essayer ça. Ben, go, inscris-toi live. Pas dans le live, mets-toi dans la J'ai waitlist. bien hâte de faire ça. Puis j'ai hâte de voir aussi si, je sais pas, GitHub, ils ont-tu l'habitude d'abandonner les projets ou. GitHub, Et je veux ils dire, ont penses-tu qu'ils suite un vont peu. continuer de l'améliorer? Ben, faut pas oublier que GitHub, ça a été acheté récemment, ben, récemment, ça fait une couple d'années par Microsoft. Ouais.
Là, depuis que Microsoft ont le leadership, j'ai aucune espèce d'idée s'ils sont plus ou moins innovateurs. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus qu'avant. Avant, GitHub, ça n'avait pas tant évolué. C'était barré sur. Tu n'avais pas le droit de faire de votre repo privé tant que, excusez, tant que tu ne payais pas. Dans Store, ils te le permettent, mais tu as comme maximum trois collaborateurs, je pense. Avant, c'était Fallball, puis ça a été Fallball pendant longtemps, puis le monde chialait. C'est un petit peu, je suis pas mal sûr, c'est un petit peu pour ça que GitLab est arrivé dans le décor, là, parce que tu avais le droit de faire du repo privé gratos, puis c'était un peu pourquoi, mettons, que je connais Totemo qui sont là-dessus, Totemo Studio, ils sont là-dessus parce que dans le temps, ils ne pouvaient pas tant faire des repos privés, puis ils connaissaient quelqu'un, je pense, qui fait un travail. Puis, la réponse à ta question, donc, c'est que je pense que ça fait pas assez longtemps qu'on voit Microsoft au pouvoir de GitHub là, pour savoir. Mais vu qu'il y a OpenAI en arrière, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus prometteur, peut-être, parce qu'OpenAI, sont du genre sont OBNL, dans le fond, là, sont non lucratifs. Ça fait qu'eux autres, ils n'ont pas de but de vente au bout. C'est le but, c'est de s'auto-financer pour être capable d'aller chercher plus de recherches, slash. Ouais, puis du Faire partnership avec part au Microsoft monde. comme ça, c'est. Ben, c'est bon pour eux autres, C'est en tout très cas. bon. Ils doivent avoir du compute qui vient avec ça. C'est autres, c'est de... aucune espèce d'idée c'est quoi l'entente, mais j'ose croire qu'en arrière, il y a du Azure Cloud là-dedans, puis il y a Ah du. oui, c'est sûr. Eh ben. Il y a Elder, ils me font capoter, l'autre gang, là. Donne-moi une phrase là. Sam and Raph are having a conversation live. Same. Or live conversation, je sais pas trop. J'ai hâte de voir ce que ça va sortir. Ça fait qu'allez vous amuser avec Elder AI parce que c'est gratuit. Ils ne vont pas payer pour le compute. Ça fait que ça, profitez-en. Ça coûte cher rouler ces affaires-là. Profitez-en pendant que ça existe. Le PT2, il y a eu longtemps un modèle free en ligne. Puis après ça, il a été fermé puis ça coûtait trop cher. Je pense qu'il a été réouvert après. Mais en tout cas, tu sais, c'est tout le temps genre profitez-en pendant que c'est là, parce que c'est le genre de petites affaires que Ouais, ou justement avec on parcimonie. je sais pas. Ben, j'ai pas l'impression que c'est du monde comme toi puis moi qui écrivent une connerie comme ça. Tu sais, c'était plus comme ils devaient spammer ou ben ça a juste été Ouais, puis il n'y a overnight pas de captcha sensation non que plus, juste. là. Fait que n'importe quel robot pourrait. Ouais. Ha! Do you like this game? Yes, that's good because it's my favorite. Oh, did you like my first one? Mais là, c'est. Ouais, on sait pas qui dit Which quoi. includes the type random Ravdoll. OK, je suis un. Je suis une doll. It's actually kind of difficult to hear, but it's still amusing. Ouf. Ah, il y a une Ouf. répétition. Ouais. Ouais. Oh, what is the sound? Curieux de voir ce que ça fait. Moi aussi. En passant, le logo était généré par un AI aussi. Il y a des compagnies qui donnent des ressources au site puis à la gang là, pour faire ça. Ils ont, là, je sais que récemment, je t'ai envoyé beaucoup d'images générées via des AI. Ça vient de leur Discord, dans le fond. Là. I cannot see it, bon. The ball of fire, bon, c'est assez clair. Doesn't matter, said the dark man. You know it's there. I think you're a fool, said the king. If you're a man of God, then why do you not
Then why do you not go to him and ask Israel what? Là, ça parle de la Bible. Pas sûr qu'il va être capable dans ça. C'est plus GPT-3 qui est fait Ouais, pour. c'est ça, mais... You know. Je te le souhaite, je te le souhaite. On peut s'essayer. Quoi qu'il n'était pas payé avec son ball of fire. Oh, c'était très... La partie de la Bible... Oh? Ah, ok. Yes. Parle de Le mot photons, puis de... réfraction, Ouais, ouf! So light tu is composed of photons, which are particles of energy traveling through space at the speed of light. Eh ben, mais là, je peux-tu, ouais, attends un peu, je peux-tu demander, attends un peu, tu sais, sur Wolfram Alpha, mettons, là. Je vais là, puis là, j'y pose une question du genre, combien de temps ça prend pour aller sur la Lune? Ouais. Lui, c'est pas son créneau, lui-là, là. Ben, il va te répondre, mais il va te répondre sûrement quelque chose qui a aucun fondement de réalité, là. Tu sais, je veux dire, même les gros langages, les gros modèles de langage comme GPT-3, ils te répondent, mais c'est pas nécessairement la bonne affaire. Genre, tu peux lui donner un bout d'URL, il va le finir, mais tu sais, c'est pas nécessairement une URL valide. T'sais, je me souviens, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait généré du texte, qui avait une adresse de Dogecoin dedans, là, qui semblait être une adresse réelle, mais quand on l'a testé, elle n'existait pas. Fait que, t'sais, c'est comme... Le format était bon, mais le contenu n'était pas bon. Mais t'sais, il était quand même capable de le faire. Là. Je suis un vrai con. Tantôt, je dis, ah ouais, faut y aller avec parcimonie. Je sais plein de patentes. Tac, tac, tac. It's 7 minutes. It's probably 40 secondes. It's faster if you go now. Stop, stop. Oh no, oh no, 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 no. probably. Oh my God, you can't Là, si tu veux le go. mettre complètement imbécile, tu mets la température à zéro. Là. Tu le Comme je l'ai essayé une mouilles. fois, là, puis il est juste comme il est parti sur une chie. Hein. C'était vraiment drôle. À zéro, là, il écrivait juste comme des caractères bizarres puis des points d'exclamation. C'est comme il est parti. On l'a lobotomisé. Topé, je me souviens plus exactement. La température au max, il devient une espèce de savant là, fou. Là. Oh, ah. Sérieux, ça se pourrait très bien. Pas loin, la Lune, là. 240 miles. Non, mais là, c'est la Lune, là. Ah, c'est ça? C'est pas loin, la Lune, là. 100 miles. 238 855 miles. La distance, ça avait l'air pas pire. 240 000 miles away. Ouais, c'est 238 855. It's about 8 En minutes. moyenne. Ouais, mais là, 8 minutes à quelle Mais 8 minutes vitesse? quoi, là, c'est ça? Ben, on pourrait sûrement faire le calcul. Ouais. Je voulais dire une autre affaire juste parce que pour la postérité, là, tu sais, tu peux continuer ça, là. Par rapport à Copilot, un des problèmes qu'eux autres, c'est sûr, ils font face, c'est que beaucoup de code open source qui doit contenir des affaires vraiment pas genre des mots de passe. Là. Ben, 804 km par seconde. Oh shit, par seconde. C'est vite en. Deux fois la vitesse d'un solar wind. Oublie ça. La Rydberg speed. Escape velocity from the Milky Way. OK. 1,5 fois. C'est Fait quoi, spécial. Copilot, un gros problème qu'ils ont, c'est sûrement là, c'est d'être capable d'enlever les mots de passe dans les trucs. Parce que moi, je pourrais écrire, mettons, un connect string. Là. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans les bases de données. Mettons un connect string d'SQL Server que genre.
Avant, disons, 2015, le monde ne checkait pas nécessairement ça en termes de sécurité, fait qu'il l'écrivait comme texte clair direct dans le code. Je suis sûr que tu as plein de vieux codes, même du code récent, qui ont carrément des mots de passe décrits dans le code. Puis il y avait même du monde sur Internet, je me souviens, il y a une couple d'années, qui s'amusait à genre écrire des search queries direct dans GitHub pour trouver du monde qui écrive encore genre le mot de passe ou qui ne synthétise pas leur query SQL ou tu sais. Plein d'affaires que le monde font, fait, puis qui ont été trainés dans le modèle. Fait que là, peut-être qu'il y a façon de les faire ressurgir ça. Fait que là, je sais qu'à OpenAI, ils ont des systèmes de genre de policy, là, ce qui vont comme faire d'autres modèles par-dessus pour comme relire le texte, puis c'est de s'assurer qu'il n'y a pas rien d'affaire bizarre qui sort, mais il n'y a rien qui t'assure ça. C'est tout le temps des modèles statistiques qui vont arriver à 99% ou 97%, mais tu as le petit 3% là, qui arrive, là, puis qui. Il se pourrait qu'il y ait des affaires vraiment bizarres, genre des mots de passe valides qui sortent, puis qui pensent que c'est un mot ou c'est un token qui est valide, puis genre claque. Quoi qu'il ne devrait pas être répété nulle part, peut-être qu'il est pruné, mais en tout cas, il y a des chances que cet input leur sorte. Ou qu'à l'inverse, des affaires vraiment importantes qui ne ressortent pas souvent soient Ouais. prunées, un peu comme des mots de passe, là, fait que, genre, que tu verras jamais, admettons, la bonne façon d'écrire tel cas. C'est comme. C'est parce que la majorité du monde l'écrit mal, fait que genre, tu sens avec la façon qu'il écrit mal. Fait qu'il faut encore pas oublier que c'est du statistique avec ce qu'on connaît. Là, que, en tout cas, c'est pour faire travailler l'esprit. How much time does it take to go to the moon? What makes a good rocket and why? Bonne souris avec un nez. It's actually a standard rocket to the moon by 2020's launch year. It will take 5 minutes. 22 seconds faster than the current decade to moon. Including crew rotation. J'ai vu un article, je sais pas si je peux Ben te le non. retrouver, qui expliquait qu'on pourrait éventuellement générer notre Internet. Nos résultats Google via GPT. Si on voulait vraiment, là. The Internet mirrored by GPT-3. Mais il devient vraiment débile. J'ai que ça à la fin du paragraphe. C'est comme. We will come back on at 45:55. Now counting just red, red arrows, a series of rectangular stones tracks for HNS tank fueling element seen toward tank very shortly after dropping. The aforementioned clock and position of next orbit are denoted by several discernible clock hands seen below, aligned just behind each zero moment. Plus Il est d'une shit, parent. ouais, il est parti en fou. Fait que tu Yeah. vois, température 1,5, même, tu sais, un peu plus au début, il est un petit peu plus genre scientifique. Là. Il est moins imbécile. Top P, j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça fait. Je t'ai envoyé un lien sur les internets. Sur Messenger. Mais changer, ok. C'est un peu, je sais pas si c'est jusqu'à quel point c'est sérieux, mais ça semble être relativement sérieux. De quelqu'un qui a généré des pages de Google Results dans GPT-3. Tu vois une démo avec une vidéo un petit peu plus bas. Il prend un certain moment, puis il reçoit des réponses. Là. C'est Mais une page qui vient de 100% du modèle. le modèle, lui, a un index du web pour faire ça ou bien quoi? C'est de la crap qu'il a Non, monsieur. généré? Ben, c'est généré ce qu'il pense, à quoi, ce qu'il pense que ça ressemble à une page de Google Résultats. Oh oui, mais openai.com, ça existe pour vrai, là? Oui. Bon, mais les domaines qu'ils ont montré, là, ça existe pour vrai, hein? Comment ça se fait que Oui, lui est au oui. courant de ça puis qu'il te met ça là, là? Parce que dans le data, il y a du web, là.
Il y a tout, là. Il y a du GitHub, il y a Fait que ça veut du pas nécessairement dire que Wikipédia, ce il y qui a est du. généré, c'est du bon stock, là. Non, 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 Ah. non, 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 non. Non, par contre, ça veut dire que tu as rien que besoin d'avoir le modèle GPT-3 sur ton ordi, puis tu as genre Internet sans Internet, là. T'as comme, t'as. C'est tout dépendant, parce qu'on s'entend, il est quand même capable de te sortir. Is this really Google? Il est quand même capable de te sortir des affaires. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est capable, mais c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sérieux comme article, mais je trouvais ça vraiment intéressant comme idée. Là, parce que, comme ça devient comme une façon de sortir un behavior d'un serveur, puis de le sortir en modèle, puis de l'avoir offline, à la limite. Eh là là. Yogurt memes. Voilà, il y a le few shot et le zero shot learning. Ça, c'est un concept en AI. Ouais, il est capable de générer des pages Wikipédia, carrément. Des images aussi. Maximizer. Ben non. Là, je me demandais si c'était vraiment vrai jusqu'à ce que je vois à côté de History of the Concept, puis le Edit, là, il y a un petit B majuscule qui s'est plugué là, ce qui me fait vraiment dire que c'est GPT qui a fait ça. Il n'a pas juste fait le contenu puis copier-coller le truc, là, By genre. Nick Bostrom, professeur for the Faculty of Philosophy at Oxford. Mais non, il n'a pas généré ça pour vrai. Peut-être qu'il existe pour vrai Nick Bostrom, par contre. Là. Oui, je sais, mais je veux dire, il y a quand même, c'est lui qui a généré la phrase, là. Ouais. Puis la table de contenu. Et... Là, t'as un HTML carrément, là. Ah, ouais. Même les références, pis tout, tabarnouche. Il hallucine une page web qui ressemble à vraiment une page web. C'est pour ça que je te dis, la force de GPT-3 à côté de GPT-J, là, ça n'a juste aucun rapport. Là. Parce que GPT-J, c'est 6 milliards de paramètres. Puis ils veulent éventuellement se rendre à 175 milliards de paramètres. Ce n'est pas 200 milliards de paramètres qui est la grosseur de GPT-3. Quand même, quand même. Ouais, puis il y a un lien pété en plein milieu. Puis on le voit que c'est pas. C'est fait par un ordi. En bas aussi. La 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 la. Non, c'est ya 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 en bas. Un petit peu de World musique. of Warcraft and Warcraft. Dungeons and Dragons Online. Mais voyons. Oh, IP over Avian Carriers, non! Ben non! Impossible. Mais, t'as vraiment l'air legit, là? Socket T11. Ouais. Data Mais. covered bird. Data covered digested bird. What? Ah. Ok, ouais. Il y a une nette Capoté. différence, là. C'est pas le même oiseau. Non, mais l'oiseau, il a été généré par une autre technique. Ouais. Qui semble être la technique que j'ai utilisée, que je t'ai envoyé des Note images. that UDP, IP and Ethernet are optional depending on the method of Internet par pigeon. C'est quoi? Il traîne un super de grand fil, dans le fond, là, c'est ce qu'il fait. delivery. Il traîne un fil Internet avec lui, le User bout du standard fil. SAP greeting hello world. Establish end-to-end connection. ACP, Avian Carrier Protocol, ben non. Je suis pas pour vrai là-dedans. Non, non.
Là, c'est Carrier Pigeon Internet Protocol. Oh non. Si tu cherches la CP, il n'y a rien. Ah non, il a Il inventé ça. va tester carrément. Oh non. Oh, mais tu sais, t'as pas de stack IP, là. Ben, IP, ben oui, mais je veux dire, en tout cas, dans le... Ouais, ben là, moi, je suspecte que c'est parce qu'il comprend le terme IP, hein, tu sais, puis là, il Ouais. fait des liens avec d'autres concepts que lui est au courant, là. Message digest, data covered bird, tabarnak. Ouais, Data Cover Digest Bird, là, c'est vraiment. Like any physical carrier pad, the avian carrier cannot provide guaranteed delivery. The delivery could be delayed to a variety of factors, including bad weather. Ben, Bad quand même. weather, hey, il comprend quand même, bro. Affecting the flight of carrier Affecting bird. Or even the wholesale destruction of the population of. Is only as reliable as the physical carrier path. Bon, ben écoute. TCP three-way handshake. flight. No way. Hein? Il est pas con. Non. Fait qu'on a un Internet qui pourrait être généré par un modèle de AI qui connaît les liens entre les trucs. Qui est capable de générer une liste de résultats Google puis des articles Wikipédia. C'est top là, moi j'en veux plus des articles Wikipédia là. Y en a plein là, au moins tu peux le voir. Sleepy Joe Biden. Is the nickname given to Joseph Robinette Biden, the senior United States. Nickname. Catholique. Jesuit School. While his mother was the daughter of German immigrants. Maybe. On voit pas tout le texte, par contre, le mot facile. Il cache. Ah, ouais, t'as pu. Of Ouais, German on va voir. Moins immigrants. bien. Regarde. Capoté. Il est moins drôle, celui-là. Ouais, moins drôle, mais c'est malade, c'est malade. Absolument malade. Sur cette belle note, je pense que ça finit bien notre épisode, notre 23e épisode. Ouais, fait que je vous fais un petit recap. Elder AI, Google, non, pas Google. GitHub Copilot. OpenAI. OpenAI, puis GPT-J, GPT-3. C'est pas mal les mots-termes, les mots-clés, les termes clés de la journée. Alors, on n'a pas eu de commentaires, donc si vous l'écoutez en Oh. rediffusion, laissez-nous un commentaire, un like, Oui. abonnez-vous. Dites-nous si ça vous a appris l'AI, puis que vous êtes devenu un magicien de l'AI grâce à nous. Ouais, et à Copilot. Et un copilot. Vu que ça aide à coder, tu Ouais. alors, on va se revoir la semaine prochaine, Oui, et on mercredi. va avoir vu Camelot, le film. Oui, je sais pas si on va en parler par contre. On va parler, on va dire notre appréciation. Parfait. J'ai bien hâte à Ou ça. pas. Non, non, Pas j'ai grave. bien hâte. Ça va être difficile de donner une bonne appréciation sans spoiler. Ben, on va essayer de faire notre possible. On va essayer de faire notre possible. Fait que c'est un rendez-vous la semaine prochaine.